Cette femme a coupé le pénis de son mari. Et pourquoi? À toi de deviner, mais je te le dis dans la vidéo. Bien sûr, ils ont un enfant et j'imagine bien le gamin qui retrouve le pénis de son père. Ah, non, c'est quoi ça? C'est un nouveau jouet? Ah, il a un petit goût de dégueulasse. Voilà. Alors bien sûr, hein, la fille a coupé le pénis de son mari parce qu'il l'a trompé. Voilà. De toute façon, généralement, un mari, soit ça trompe, soit ça part chercher des clopes. Mais oui, bien sûr qu'il y a des mecs qui trompent pas leur femme. Moi, je trompe pas ma femme. Sinon, je sais pas où dormir, parce que c'est elle qui est propriétaire. Voilà. Mais le plus fou dans cette histoire, parce qu'il y a un truc de dingue, sinon je t'en parlerai pas, bien sûr, c'est que la meuf, oui, elle a coupé le pénis de son mari. Oui, elle avait peut-être raison, mais elle avait pas le droit. Et en fait, ils l'ont laissé en liberté pour garder son gamin. Donc, si t'es tueur en série, tueuse en série, faites un enfant, comme ça, tu gardes ton gamin et tu peux rester tranquille chez toi. Alors, c'est au Pérou, faut savoir, hein, beau pays, hein, pays, mais apparemment, faut pas tromper sa femme. Sinon, t'as plus de riki que des petits... Hein. Apparemment, tu pourrais te faire une grève de pénis, mais est-ce que vraiment t'as envie d'avoir un pénis de quelqu'un d'autre? Et si ce quelqu'un d'autre a une plus belle bite que toi, du coup, ça peut être un bon moyen, tu vois. Peut-être ça serait mon moyen pour plus être éjaculateur précoce. J'imagine bien qu'elle va aller en prison, peut-être à tout le monde qui dit bah voilà, moi je suis en prison parce que j'ai tué un gars, j'ai dit de la drogue, moi j'ai coupé le pénis de mon mari. Bah là je pense que t'as tout le monde qui l'applaudit. Enfin bravo. Ah, bravo. Ah non mais c'est bien, écoute. Mais après j'ai une pensée pour le gars, parce que franchement c'est vrai que c'est quand même hardcore de couper un pénis juste pour tromper quelqu'un. Puis maintenant il se retrouve sans rien, il peut rien faire à part mettre des wads. Enfin je sais pas si vraiment mettre un concombre. Ou rien faire en fait. Après t'as plus de temps pour dormir. Bah non mais c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Bon dis-moi en commentaire si tu trouves ça normal qu'elle soit libérée, si tu trouves ça normal de couper le pénis de quelqu'un qui était trompé.